un peu perdu là. Ah, qu'est-ce que tu veux chanter? Je vais chanter Romano, il faut voter Romano. D'accord. On chante. C'est on a le droit de voter Cédric ou Romano? Seulement de voter Romano, on a le droit. Non, non, vous, non, vous non, votez non, les non, deux. Je réponds à la question, là, il y avait une petite question qui est passée en attendant là. Sur SMS, de toute façon, les votes n'ont pas démarré, retenez-vous. Attendez pour voter Cédric, quoi, c'est clair. J'imagine que vous n'en pouvez plus, vous voulez voter Romano, mais attendez encore 5 minutes, le temps que je déclare un peu. Oh, même pas 5 minutes, hein, ça va pas durer 5 minutes. Non, bah, non, attends, ça pas attention, c'est parti. Chantons. Enfin, chante surtout. Ouais, bah, je vais chanter. 3, 4. Romano, il faut voter Romano. 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 Ouais, ouais. Alors, ta déclaration, Romano. Bonsoir, mes amours. Bah, déclare, connard. Alors moi, non parce qu'on rigole, oui. Mais moi sur le premier coup de fil, je veux dire, j'y serrais autant que Cédric, le, ouais, mec okay. Pas de, le mec arrête pas de dire non, mais j'y serrais autant que lui. Le mec, je lui ai proposé de m'occuper de sa femme, il a dit oui, et également il va s'occuper de moi, coup de poing dans la gueule, et je pense qu'après j'ai dit que j'allais l'attraper, lui et sa femme, tous les deux à quatre pattes, il n'y a aucun problème. Ce soir, il n'y a qu'un mot à taper sur les SMS, sur les applis et sur Internet, c'est Romano, R-O-M-A-N-O. Si vous n'aimez pas Paris, votez Romano. Ouais. Oh le salopard. Ah oui, parce que Cédric soutenait le PSG. Non, ça non, mais c'était pour le clash de la si drague. Vous soutenez hein. N'importe moi, je soutiens quelle toutes équipe. Les équipes. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Cédric est pour Paris. Non. Pour l'ambule. tous ceux qui aiment le foot, tous ceux qui aiment le ballon rond, n'hésitez pas à voter. C'est ma déclaration, ce ma soir, gueule. C'était la méthode du foot du ballon, c'est déjà ça. T'es en train de craquer, ma gueule. Votez Cédric. T'es en train de craquer, ma gueule. Ça va pas, t'as les nerfs qui lâchent. Alors, je vais également vous passer Pamela qui veut dire un petit mot. Non. Allô, Pamela. Qui c'est qu'elle soutient? Quel rapport avec le clash, Pamela? On va intervenir, le même. Bonjour, Pamela. Non, mais on est sur la déclaration. Radio libre, Cédric. Est-ce que l'autre peut fermer sa gueule, s'il vous plaît? Bonjour, Pamela. En plus, t'as pas de bol, je la fais trop bien, là. Eh bien, ce soir, si vous aimez Pamela, votez Romano. Ah ouais? Héro et Baedo. Mais quel rapport avec le clash? Moi-même, tout à l'heure, j'ai serré Gabi, le lécheur de chatte. Oui. Mais eh bien, votez Romano. Héro et Baedo. Excuse-moi, Pamela, quel rapport avec le clash? Oh, me fait signe, il y a une connexion avec Londres d'établi. Non. Qui est à Londres avec nous? Allô, allô. Yeah! Hello, my friend. Vote Romano tonight. C'est ça. I like that. Oh, c'est bon, la voix du feu. Eh, gros, je te prépare un truc, tu vas voir, t'inquiète. I'm drinking a cup of tea and I vote Romano. C'est comme bon. Ça, tu vas voir. Faites t'inquiète. Comme moi, votez Romano, R-O-M-A-N-O. C'est fini la déclaration? C'est bon, tout le monde est passé, votez Romano, vous avez compris. T'inquiète. Il est 22h24, je signale à Karim qui sera le comptable de tous vos votes aujourd'hui que c'est parti pour les votes, 22h24. Attends, je vais aller lui expliquer comment ça marche. Il vous reste donc 5 minutes pour voter, 5 minutes pour faire la différence. Je préfère que ça soit... C'est précis quand c'est Karim qui fait les comptes. Hein. Pour le perdant. Alors vas-y. Le vainqueur du clash de la drague, Romano, tu as été soutenu par Pamela, par Mr. Smith. Tu as. Aura suffi. Tu as, oui, mais non. Eh ouais. Car les résultats, je vous les donne, donnent la victoire ce soir avec 55,44% à. Putain, j'arrive pas à voir sur la feuille, là, ça m'énerve. Moi, j'ai vu. Cédric, tu fais donc ce soir 44,56. Bon, allez, casse-toi. Romano, 55,44. Victoire. Ah, super, en plus, quand les trucs, j'allais me faire baiser. Parce qu'à la tronche de Marie, tu sais, j'aurais m'a fait sous-entendre que j'avais losé. Bah oui, mais bon, sinon, c'était pas putain, drôle. C'est bon, ça. Victoire de Romano. Ah putain, mais sans rien faire, je sers. Quand je gagne, je vais rien. Putain, ça m'énerve, ça. Vous avez quand même reconnu qu'il a rien fait, que le mec il sert. Oh, il a quand même serré au début. Non, mais il reconnaît en général. Non, la pire couillade, ça a quand même été lundi pour toi. Ah, c'est une double couillade, gros. Je te remets officiellement putain, la ça coupe. M'énerve, ça. Non. Putain, ouais. T'as acheté le PSG, j'ai la loupe. Ça va, calme-toi. Tiens ta coupe. Ah, putain, ça fait plaisir. Ouais, merci. Bien, bah, je vous aime, merci. Là, tu peux pas gueuler, que ça soit Momo qui gruge et tout ça, là. Là, t'as pas d'excuses. Quoi, ton excuse, le bel. Ah, j'ai pas d'excuses, gros. Et voilà, bon ben merci de m'avoir offert cette belle victoire. Merci au soutien, je pense, précieux de Pamela. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Pamela. Pamela. C'est toi quand tu vas te Pamela et Mr. Smith, ouais. Thank you very much. Et merci à vous toutes et à vous tous, allez, surtout. Allez, c'est bon, c'est vous qui avez fait la différence. Merci mes amours, je sais que je peux compter sur vous. Et ça fait du bien.
Je vous aime. Comme dirait Momo, ça fait chaud au cœur. Ça, c'est l'expression ouais, de Momo. C'est ça, ouais. C'est Momo. C'est l'expression favorite de Momo. Oh, ça fait chaud au cœur. Bon, en tout cas, Cédric, tu es redevenu compétitif quand même. Hein. Ah bah ouais, attends, mais je me fais baiser deux fois la suite. Mais gros, pas beaucoup. Ouais, compétitif mais pas de quoi bah, la semaine dernière, tu te faisais baiser par 80% contre 20. Là, maintenant, c'est serré. Ouais, enfin, ah ouais. Excuse-moi, lundi, je méritais largement de gagner. L'autre, il a rien fait, il a gagné. Mmh. Et soir, c'était limite, tu vois. Franchement, non, mais soir, attends, tu veux que je te donne un conseil. Ouais. Travaille les déclarations. Non, mais là, déjà, va apprendre à parler, ma gueule. Ok, ouais. Travaille les déclarations comme Robin. Travaille pas, c'est bon. Travaille, ça m'énerve, ça. Moi, je passe des journées à travailler, j'ai un coach. Ouais, bah ouais, t'as un coach. Ouais, bah ouais, t'as M. l'arbitre qui te coach, bizarrement. Ok, dalle. Bon, regarde, t'as du soutien. C'est du n'importe quoi. Cédric était le meilleur, on nous dit. Regarde les messages qui te soutiennent. Cédric, t'es nul. Non.